accentuer encore la domination lyonnaise et la possession de balle va encore, à mon avis, augmenter. Louis Anesib qui est passé avec un bon ballon. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. La frappe de Louis Anesib, c'est bien joué, c'est magnifique. Voilà, frappe de Louis Anesib sous la barre transversale. Et voilà l'OL qui débloque enfin la situation dès l'entame de cette seconde période. Très, très beau but. Superbe frappe de Louis Anesib qui avait déjà inscrit un doublé magnifique contre Juvisy. Deux frappes lointaines. Oh oui. Elle se remet à frapper loin, Louis Anesib, et voilà ce que ça donne. Ça fait mal. Techniquement, c'est très très bien joué. Conduite de balle, elle regarde très haut, elle voit tout de suite la position de la gardienne, elle anticipe la frappe. Non, non, rien à dire, c'est un magnifique but. On la voit sur on voit le petit contact avec Julie Soyer, voilà. Qui est resté à terre. Conduite de balle, fin de dribble. Voilà, et là elle a vu déjà, elle a anticipé sur le regard, elle a anticipé la position de la gardienne parisienne. Et avec les qualités que possède Louisa, on sait tout de suite que ça fait mal. Et ça fait mal. Hein. Et voilà Louis Anesib, 8e but de la saison. Clark, c'est contré dans un mouchoir de poche là, les Anglaises. Et oui, au milieu de la tenaille tricolore, Camilla Billy et Lise Busaglia. Billy de nouveau qui a vu Marie-Laure Dely. Cette fois-ci, elle est sur le côté gauche. Il y a Louis Anesib, il y a Gaëtan Tinet. Tinet avec Camilla Billy, c'est bien joué ça. Le centre, il n'y a plus que Jenny Le Sommer. C'est au fond, 1-0, Louis Anesib, 1-0 pour l'équipe de France. C'est vrai que c'est un but magnifique, vraiment une action très très bien construite dès la récupération avec Élise Busaglia qui a décalé Camille. Et c'est un beau mouvement avec Marie-Laure, Gaëtan, pour Camille encore. Et puis on la revoit. Très très bien joué. Ah, le ballon là de Gaëtan pour Camille Abili est parfait, le centre, c'est mal dégagé. La reprise instantanée, magnifique, le ballon qui vient se loger dans les buts de Karen Bardsley et 1-0 pour l'équipe de France. À la 12e minute donc, l'ouverture du score par Louisa Nessib. Très beau geste technique de Louisa qui, quand elle joue à l'instinct comme ça, est quasiment inarrêtable.